Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 24h américain. Yo, what's up, bro? J'ai mis la capuche parce que les Américains, ils ont un délire de capuche, ils sont trop dans les capuches. Donc aujourd'hui, on va manger 24h. Les Américains, c'est tous des gros pauvres. Non, je rigole. Il y en a plein, ils sont gros, ils sont obèses, vous avez capté. On va aller voir dans un magasin pour voir si on peut se mettre très bien. C'est parti. On est au Royaume-Uni américain. Excusez-moi, les Américains, vous êtes des sacrés haleufs. Il y a que de la merde. Dis-moi. Il n'y a pas un truc bien pour la vidéo. Que des gâteaux, encore des gâteaux. On a du... Ça, c'est même pas du peanut butter, c'est que du sucre. C'est un truc de malade. Je sais même pas quoi prendre. Cher. Ah, regarde. Mayonnaise light. Ah, au moins un truc bien. 40 calories. Impeccable. On va prendre ça. En vrai, on va préparer nous-mêmes et on va se mettre bien avec un restaurant. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais le matin, les Américains, ils mangent des pancakes. Et vous voyez ce mec-là, là, il est super claqué à la cuisine. Mais ça, c'est la recette la plus facile du monde. Donc, je vais te laisser faire les pancakes. Je vais l'aider. T'écrases une banane. Là, tu l'écrases en bouillie. T'as vu, déjà, il allait faire une dinguerie. Tu la mets dedans et t'écrases avec la fourchette. Ça va être plus facile. T'écrases bien. Non, faut que ce soit de la bouillie. Attends. On dirait des crottes de nez. Ouais, c'est comme ça, voilà, faut que ce soit de la bouillie. Ensuite, t'as la farine, tu remets une cuillère de farine dedans. Un œuf, tu casses. Après, tu l'as même pas cassé. Si? Mais ça, il faut le casser. Ah merde, tu fais ça et tu casses. Impeccable. C'est bon. Encore un peu. C'est bon. Maintenant tu mélanges. Pendant qu'il mélange, on rajoute la moitié de la levure chimique. Attends. Là, c'est des crottes de nez à ça. Voilà, une belle pâte. Maintenant, tu vas sur la casserole, je t'ai tout préparé. T'as une poêle. Ça? Ouais, la poêle à pancakes. Je la mets où? Tu la mets sur le four. Attends, est-ce que tu sais comment allumer le four? Ouais, comme ça. Ok, ouais, c'est carré. Et tu mets un peu d'huile pour pas que ça colle. Lequel? À droite. Ça? Ouais. C'est juste pour pas que ça colle. Ça, c'est du déodorant. C'est pour pas que ça colle. Ça le fout. C'est bon. Oh, il a l'air d'être chaud, le Yas. Quand il y a des petites bulles comme ça, c'est bon signe. Ça, c'est la recette la plus facile de la cuisine à faire. Tu sais, c'est quoi les bulles? Ouais. C'est quand tu craches dans la pâte. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Si, ça fait des bulles. Arrête, faut vraiment que tu mettes des petits coups sur les côtés pour pas que ça colle. Comme une omelette, en gros. Regarde, on va voir si... Ouais, c'est carré. T'as été très fort ce matin, mais là, c'est une recette niveau henna, niveau ouais, grand-mère. Ça va aller. Tu pourras juste au moins m'aider sur quelques détails. Donc, on va essayer de faire des nuggets façon McDo, Burger King, tout ce que tu veux. Déjà, les nuggets, ils sont bien grosses. On va rajouter des épices un peu partout comme ça. Donc, c'est parti. Alors, normalement, c'est œuf, farine, chapelure. Alors, on commence comme ça. On met dans l'œuf. On met dans la œuf, farine, chapelure. Farine. Et chapelure. C'est ça l'ordre. Ouais, mais je pense que ça va être horrible. De quoi? Ce que t'as fait. Pourquoi ça va être... Je sais pas, à la base, fallait les mettre dans le mixeur, mais j'ai faim, là, j'ai pas envie. Voilà, ça doit donner un truc comme ça. C'est terminé, on va regarder. Maintenant, faut les mettre dans la poêle. Waouh. On va regarder ce que ça donne, c'est la première fois que j'essaye. En vrai, les gars, ça rend pas mal, hein, regarde. Est-ce que ça brûle? Ça rend vraiment pas mal, on dirait en fait du poulet KFC. On va laisser encore 5 minutes. C'est pas un petit déjeuner, ça? C'est pas un 24 heures comme les autres. Les Américains, ils ont... Bah, tu dois connaître, toi, je suis un ouf. À midi, le dimanche, ils font un brunch. Ça veut dire que ça regroupe le repas du matin et le repas de l'après-midi. Wow. Donc là, on a ta partie et ma partie. Poulet, ça fait plus du façon KFC et les pancakes. En vrai, on va commencer par le poulet. On va commencer par le ketchup. Parce que nous, au KFC, on peut pas prendre de poulet vu que c'est pas halal. On va mettre un peu de mayo. La seule chose qu'on a trouvée dans leur rayon américain, il y avait vraiment rien. On va goûter le poulet. On va mettre un peu de ketchup. Myriam, elle est pas là parce que je lui ai dit on vient faire la cuisine, elle s'est barrée. Waouh. C'est vraiment dommage que tu peux pas goûter. Mais comment vous pouvez vous mettre bien tout seul? Myriam, je t'en laisse même pas. Il y a ça pour moi, il y en a un petit peu que je vais donner à mon père après. Mais franchement, on sent bien le goût de la farine, on sent bien le goût des épices.
Non, c'est vraiment incroyable. T'es confiant ou pas? Ouais, franchement, ça est réussi, je pense. La première fois de sa vie, fait de la cuisine. On va voir. Tu me conseilles de mettre quoi? Ah, t'as déjà pris quoi, du théâtre? J'ai cru que t'allais me dire de mettre de la mayonnaise, parce que toi, t'es un peu fou dans ta tête. On va commencer par ça. Même ça, le matin, c'est pas mal à manger, ça. Faut juste avoir la foi de les faire. C'est parti, là. Ça, par contre, les Américains, c'est super bon ce que vous quand vous mangez ça, là. Sauf que t'as oublié de mettre du sucre. Chantilly, fraises, tout. Le premier repas, il est excellent. Vu qu'on veut pas devenir des gros comme les Américains, Yacine, dans la salle du temple, en train de faire les bras. Moi, je fais le dos. Myriam, elle fait quoi? Tu fais des petits coloriages? Oui. Impeccable. Et toujours, quand on fait du sport, il y en a qui demandent, oh, vous écoutez quoi comme musique? On n'écoute pas de musique. On écoute des dars. Lui, il est mort, Rahimallah, qu'Allah lui accorde le paradis, mais... C'est très magnifique. Moi, je suis en train de faire le dos. 71 kilos. T'arriveras pour tes 100 kilos d'habitude. Pour avoir un bon dos argenté. T'as dit quoi? T'arriveras pour tes 100 kilos. Pour la vidéo. Allez, je mets 95 kilos. 95 kilos. Combien j'en fais? Combien? 1000? Non, j'en fais 3. Oh, 5000. Allez, tu peux le faire. Je vais carrément le faire. Ah! 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 Le boss! Le boss! On en fait 10! Allez, encore 2! On veut pas être des Américains, on veut pas! On veut être fort! On est dans la cuisine pour le 24 heures américain, obligé de manger des burgers. Mais les Américains, ils sont chauds en burgers. Donc on va mettre de la crème légère juste là. Vous allez voir, ça va rendre ça incroyable. Une bonne petite crème comme ça. Impeccable. On étale. Première chose qu'il faut mettre, c'est le steak. Ensuite, on continue avec de la dinde. Et on va finir par du fromage. Là, on a des frites maison, ça va être incroyable. Les Américains, c'est Hellef, ils mangent que des hamburgers et des frites. Elle a un hamburger du McDo, vs moi, comme vous avez vu, hamburger maison. Sors ton hamburger du McDo vite, on va les comparer. T'es mal à taille. Papa, mets-le dessus. Regarde, viens voir. Regarde la différence. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, faites des burgers maison. Ça va être incroyable. Hop, les frites, pareil. T'es mal à taille des frites. Regarde la taille des frites. Ça n'a rien à voir. Viens, on goûte les frites. Bismillah. Moi, c'est ma mère qui les a faites, donc je sais que elles sont grave bonnes. Les frites McDo, c'est impeccable. Maintenant, go. Par contre, j'ai grave peur parce que je viens de me refaire la dent là. Avant, j'avais une dent cassée. Et j'ai plus le droit de croquer des trucs durs. Donc là, est-ce que je prends le risque de croquer comme ça et que ma dent elle se casse? Non, en vrai, je vais faire ça. Je peux goûter? Oh là, oh, oh. Je suis un boss. Fais ça pour voir s'il y a ça toi dans ton hamburger. T'as ça toi? Est-ce que t'as ça? Non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de casser. Vas-y, casse, on va voir si t'as ça derrière moi ça. Ça, c'est un burger de burger. Ah, y'a pas ça toi, hein. Que des vieux produits surgelés. Vas-y, on va goûter. Bismillah. Ah, pour la micro. Les Américains, vous êtes gros, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ce qui fait la différence quand vous allez faire vos burgers, la famille, c'est la crème fraîche que j'ai mis là. Mettez ça dans vos burgers, c'est exceptionnel à part de la mayonnaise. C'est bon? Genre, tu penses que c'est plus bon que ça? Face au dessert, les Américains, ils aiment trop manger des gâteaux. Bien sûr, quand vous nous entendez dire gros porc, nous, chez nous, dans notre famille, c'est pas une insulte. C'est comme si on disait t'es bête. Genre, c'est. Je sais pas comment vous expliquer. Gros muffin au chocolat. Pff, oh là là, les muffins. Accompagné de noisettes. Mais elle terminée, hein. On va regarder à l'intérieur. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur, ils ont mis du Nutella? Ouais, moi, je crois. Il n'y a rien du tout. No! Du coup, vas-y, teste. C'est pas aussi bon que les gâteaux de Burger King. Ah ouais, il est flingué? En vrai, je pense qu'elle a raison, hein. Juste, moi je goûte pas parce que j'ai une maladie, vous connaissez, j'ai pas envie de retomber, ça fait 3 semaines, j'ai pas mangé de sucre. Mais il a pas l'air hyper bon. Vous avez vu la famille que quand vous cuisinez maison, vous vous mettez bien les burgers, les pancakes, tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Mets en commentaire le prochain pays pour le prochain 24 heures. Moi je vous laisse là, à demain ou après-demain, Inch'Allah. Ciao, ciao.